Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on reprend où on s'était arrêté la dernière fois. Et on va faire une petite guerre encore une fois. Bon, je vous ai fait une grande vidéo précédente. Hein. Pour dire ce qui est, bon. Ça change aussi un peu, personnellement parfois je fais des grandes vidéos sans vraiment m'en rendre compte. Faut dire aussi que parfois je prends mal le timer. Et que ça joue, hein, quand vous prenez mal le timer. Mais bon. En tout cas, apparemment, mes commentaires ont fait un peu... ont pas fait plaisir à tout le monde, mais au final, ça a fait en sorte que les gens ont pris conscience des problèmes qu'il y avait. Donc ça me fait plaisir, ça. Parce que d'un côté, c'est aussi un peu le but de mes vidéos, c'est qu'aussi que vous compreniez ce qui va pas actuellement et que vous compreniez aussi un peu ce qui fait ce qui nous aiguille chaque jour, hein, voilà. Donc voilà, c'est vraiment, ma vidéo précédente a vraiment fait du bruit, faut dire ce qui est, mais aussi vraiment plu, donc je vous remercie ça. Donc je vous dis que je vais continuer à faire des vidéos de ce genre là, je vais pas mentir du tout, mais au moins ça permet de voir, comme je l'avais dit, de plusieurs types de points de vue différents. Il y a plus que 30 000. Et au moins, ça permet aussi de faire évoluer un peu comment se passe Glimmer, tout ça. Donc d'un côté, je trouve que c'est très bien. 1er décembre, allez hop. On expose cette armée. Donc voilà, vous avez compris aussi que je pense, ce que j'ai dit, c'est voilà, pour le principe d'égalité. Je suis toujours pour le principe là de base, donc c'est sûr que dans mes vidéos, ça sera empreint toujours de l'égalité pour au nom de tous. Hein. Et ça va vraiment en faire chier certains. Hein. Y a pas à dire, ça va en emmerder. Hein. Mais voilà, je suis désolé, actuellement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer à côté. On est dans un principe de liberté, tout simplement. On est tous là, on est libres et égaux. C'est comme avec les métiers que vous avez parlé avant. C'est fini l'époque où on n'avait pas le droit de choisir son métier parce qu'on n'était pas de redescendant. C'est bon, c'est fini ça. Maintenant, on a le droit d'exercer ce qu'on veut. Après, soit on est capable et ça se passe bien, soit on n'est pas capable et ça se passe mal, c'est tout. Voilà, moi personne, voilà, si j'ai donné mon avis, bon. Bref, on va arrêter de parler de ça. Le but de cette vidéo, c'est que vous passez un bon moment et que vous en profitez avec vous. Jamais. Je ne tromperai jamais mon épouse, moi. Ça c'est catégorique. L'orthotonique, ouais, mais l'orthotonique, il lui en donne de ses territoires. Oh là 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 là. Ah, il est content l'orthotonique, j'ai envie de dire. Vu tout ce qu'on lui donne, niveau territoire, mais encore. Ah, mais c'est le bordel, là, hein. Si l'orthotonique, on lui donne encore des territoires comme ça. Oh. Ah oui, une chose. J'en profite là pendant que j'y pense. La cavalerie, c'est génial pour tout ce qui est combat en pleine, hein, combat contre les troupes ennemies. Mais pour les sièges, c'est pas génial. Hein. Vous avez mieux retourné d'avoir des troupes de choc et d'avoir des. Même des troupes de choc tout court. Hein. Et des troupes de choc pour tout ce qui est. Siège, c'est 10 fois mieux, il n'y a pas à dire. Parce que là, vous constatez que ma cavalerie a enchi quand même beaucoup, hein, pour prendre quand même des territoires. C'est tout à fait normal, donc... à vous à prendre en compte si ça dans l'escorte. Est-ce que vous avez plutôt une escorte pour tout ce qui est siège ou plutôt une escorte pour tout ce qui est combat? Bon, au final, vous faites quand même des sièges assez facilement quand même avec un... Mais voilà, c'est...
Chaque troupe a quand même une importance. Et en rang rangé, en bataille serrée, la cavalerie lourde est ce qu'il y a de mieux. En bataille un peu plus défensive, du sens siège, l'infanterie est vraiment mieux placée. Hein. Donc, pour tous ceux qui croient que faire que de la cavalerie lourde c'est bien, non. Moi je vous conseille vraiment d'avoir une escorte polyvalente. Bon là pour l'instant j'ai pas assez de... Mon erreur de mon escorte, faut être honnête. Hein. Hop. Voilà. Hop. Mon erreur de mon escorte, c'est vraiment que j'ai tout mis qu'une... Oh là là. Putain, il va prendre des urbes. Allez, hop. Mais de rien, c'est quand même bien quand vous héritez d'autant de revendications, c'est sympa. Ah, comme ça, ça m'évite de m'emmerder. Oh. Yep. Toi, tu vas voir Prague accordé à Prague. J'ai pas envie de m'embêter en fait à tout redistribuer comme je fais d'habitude, donc duché de Prague. De Bohème. Yep. Et après le gars il se débrouille sans moi, franchement. Voilà, hop, toi accordé titre foncier, comté d'Aidec. Ogomouk. Accordé titre foncier, comté d'Ogomouk. Accordé duché de Moravie. En Aquilée. Comté d'Aquilée, offrir duché de Carinthie en incluant tout ce qu'il y a dedans. Que je pense qu'après ils redistribuent eux-mêmes en fait tout ce qui est bordel comme ça, donc au final. Ensuite Gênes, tiens lui déclare la guerre déjà, du coup il est indépendant. Le toast est lui. Ah oui, j'ai oublié. Bon. Ah lui aussi est indépendant. Bon. Est-ce que j'ai encore beaucoup de choses? Comté de Parme. Ah oui. Ah j'ai aussi récupéré une télé. Tiens, j'ai... Oui, j'ai même pas tilté que j'ai récupéré une partie de l'Italie. C'est pour vous dire comme je suis réveillé hein, pour votre vidéo. Comté de Modène. T'as déjà utilisé. Il reste plus le comté de Gênes. D'accord. Bon bah très bien. Maintenant on va rassembler nos troupes vers la Grande Pologne. Et on va faire la guerre à la Pologne. Non, et honnêtement, je me... Waouh. Ah oui, oui. Ah mais oui. Ah mais oui. Là. Ah mais oui, oui. Ah mais oui, oui. Là. Duché de Bosnie, là on va créer beaucoup de duchés. Hein. On va créer déjà des duchés au royaume, on va le créer un peu plus tard. Royaume de Bohème aussi, je peux dire. Donc. Duché de Bosnie. Et on va donner à la personne qui s'occupe de Rama. Tout on va t'accorder le duché de Bohème. Et Gênes, bien évidemment. Qui dit Gênes, dit bien évidemment. Duché de Gênes à personne qui a Gênes. Bon, voilà, c'est logique ça, je pense. Non, le truc que je constate, c'est qu'il y a des villes aussi. Après, je récupère des trucs au Saint-Empire, mais c'est que j'ai des villes en fait qui ne m'appartiennent pas encore. Et là, on va faire un truc. Vous savez que j'ai prévu la défiance, mariage matrilinéaire. Devinez avec qui je vais faire ça. Ah mais oui, ah mais oui, vous avez compris. Déclarer la guerre. Mais ça je sais. Parme.
ça, j'aurai déjà des enfants plus tard. Bon, voilà, on va faire quelques guerres encore, hein, bien évidemment, comme d'habitude. Après, c'est à son tour, lui. J'ai une tombe de rendication chez lui. Oh, tant pis. Je m'en fous de l'outre-homme d'Écosse. J'ai rien contre Moscou. Voilà, c'est... J'ai même trouvé mieux. Et après maintenant je vais faire aussi quelques guerres ici. Je pense que il y a quelques petits problèmes ici, mais vraiment pas beaucoup de problèmes, hein. On constate que le Saint-Empire est vraiment un très grand empire où il n'y a jamais eu de problème, hein. D'ailleurs on va créer un royaume d'Italie pendant que j'y pense. Et je me pose une question, le royaume d'Italie. Je crée un royaume, je sais même pas il est où. Ici. Royaume d'Italie. Voilà. Royaume d'Italie, c'est tout ça. D'accord. Voilà. Voilà ce qui peut arriver aussi quand vous faites un siège en attaquant. Il n'y a pas énormément de troupes pour rien. Bon. Moi j'ai un petit conseil à pour les escortes. Faites déjà une escorte de 2000 hommes de chaque. Franchement j'ai pas besoin de changer les lois pour l'instant. D'accord, faut pas que ça soit en guerre, d'accord. Et créer le duché, le royaume de Bohème, bien évidemment. Ah mais voilà le bon point. Ah mais génial. Autriche, ah bah voilà. Et l'Autriche, je vais faire un petit truc contre l'Autriche. Et hop, ça sera résolu. Alors, vous pouvez, si vous voulez, moi personnellement, je vous conseille un titre de royaume que vous pouvez donner. C'est celui de Jérusalem. Que ça vous permet en fait que si jamais vous faites des guerres saintes là-bas, vous levez vos troupes d'un coup. C'est pratique, mine de rien, c'est pratique. J'aime bien y mettre, vous avez usurpé le titre, mais pas du tout. Comté de chaîne avec ce qu'il y a dedans. J'ai tenu même le duché avec. Voilà. Mais pas du tout. Non, désolé. Il est trop mieux que toi. Voilà, c'est... C'est une technique quand même. Moi personnellement je reste toujours de la vie où ça sert complètement à rien de balancer des... D'avoir des rois c'est cool, avoir des emmerdes comme pas possible dans le jeu. Bon après l'avantage c'est qu'au moins ça évite tout ce qui est problème de rébellion, parce que gérer plein de personnes c'est chiant au bout d'un moment, faut être honnête aussi. Allez, hop.
La seule chose que je souhaite en fait, c'est que Saint-Empire y perde. Non, justement. J'aimerais bien qu'il gagne aussi. Enfin, c'est compliqué. Je souhaite que Saint-Empire, autant il gagne. Ça me ferait plaisir. Parce que mon objectif au final, c'est d'usurper tout de même le Saint-Empire. Hein. Faut être honnête, je veux récupérer le Saint-Empire. Donc au final, je vais vouloir récupérer ça. Tâche de gueule ou quoi là? On a bateau gagné ou pas? Ce serait bien qu'il finisse sa guerre, le roi de Pône là. Non, parce que Gore Teutonique, elle me fait quand même un truc quand même bien marrant. Hein. C'est qu'il a plein de duchés. Plein de comtés. L'armée centrale est morte. Le flango est mort, et hop, et on libère. Accepté, hop, c'est rapide. Hop, c'était rapide. Alors, qu'est-ce qu'on vise? Allez, bref. Levé depuis quand? Ah là-haut. Oui, à force d'avoir tellement de troupes un peu partout sur le territoire, vous savez même plus où vous avez des troupes levées. Hein. Bon, déjà. On va lever toutes les troupes d'ici. Qui ont normalement dû se reconstituer depuis, voilà, oui, ça me rassure, ils sont bien reconstitués. Donc, voilà, ça fait mix. J'ai levé les troupes avant de déclarer votre guerre, je vais déclarer la guerre aussi là. Pour ça. Et je vais aussi déclarer la guerre pour ça. Dur, dur, hein. Ça devrait le faire. Voilà, 18 000 hommes. Hop, 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 hop. Après, je peux aussi appeler... Non, je crois qu'en plus, je vais tout donner à celui-là. Qu'il soit travailleur, mais au moins il est déjà. Furieux, donc autant que soudoyer. Ça c'est. Ouais. Là, je vais rendiquer en fait tous les, un peu tout ce que j'avais grâce à ma défunte mère, on va dire ça comme ça. Que c'est le cas, hein, c'est celle qui m'a permis d'avoir toutes ces rendications, donc on va en profiter. Hein. Et nous avons beaucoup... Ah, je sais. Technologie. Ah non, tolérance, je suis déjà quand même. Normalement les technologies que j'ai là c'est à peu près les technologies de fin de jeu, fin de partie. Hein. Donc ça me donne vraiment un avantage quand même sur tout le monde.
Pourquoi ils se rebuguent tous là? Et hop. Bon. Je fais ça en fait, c'est juste pour éviter d'être en froid avec le pape. Ça coûte cher. Comme je dis, je suis pas quelqu'un qui soutient religion, donc voilà. Mais dans le jeu, il est très important de bien s'entendre avec le pape ou avec votre chef religieux, sinon vous pouvez être excommunié. Et là, quand vous êtes excommunié, avec quelques problèmes d'ordre civil, mais vraiment quelques tout petits problèmes d'ordre civil. Là, voilà, vous avez souvent une ou deux, trois. Non, franchement, au Moyen-Âge, si vous êtes, si vous souteniez pas votre religion, ça craignait. Je veux dire ce qui est, hein, c'était pas vraiment joyeux, joyeux. Bon, ça. Ah ah, d'accord. Je vois le problème du royaume de Croatie. Pour moi, un tout petit détail, franchement, c'est pas un gros problème. Bon, le royaume de l'ordre teutonique, c'est un problème, mais pas le. Pas l'histoire de la religion, franchement. Enfin, pas encore. Laponie, c'est là. Je sais même plus quoi faire, franchement, en construction. J'ai déjà tellement développé ma région de base. Une petite guerre contre lui. Je sais pas. Je dois avoir une tonne de prisonniers, je suis en train de me dire. Oh non, pas tant que ça. Oh, ils mourront bien dans mes cachots. Duché de Vachi, on peut créer. Duché de Norgans. En Croatie, on a déjà un semblant d'autorité de la couronne.
voyez, je crée vraiment beaucoup de bordel quand même. Oh merde, j'ai complètement oublié d'envoyer mes troupes là. Bon, oublie, hein, ça arrive, ça arrive. Ah non, ah non, là par contre, c'est quand même marrant. Pourquoi? Parce que j'ai un territoire en plein milieu de l'Empire byzantin quand même. Faut pas trop déconner. J'ai un territoire dans l'Empire byzantin. Bon, d'accord, j'ai envie de l'usurper aussi après, mais voilà. Ça c'est une autre... ça c'est un autre problème. Où est-ce que j'ai des troupes privées? Ici. Tu veux quoi? Allez hop, l'Estonie. Hop, dernière guerre là. Un der des der, comme on dit. Et au moins, je contrôlerai le nord. Hein, ça... Les guerres païennes ont au moins l'avantage de bien me permettre de tout réunifier. Hein. Hop. On va pas gagner le trait de caractère charitable, c'est dommage. Voilà. De, en quelque sorte, rendre catholique ces régions. Bon, entre guillemets, étant donné que règle. Maintenant, ça veut créer maintenant le titre de Finlande. Rome de Finlande, c'est perdu à jamais. Là, on va s'arrêter là. J'avais prévu de faire une autre guerre, mais on va s'arrêter là. Ça commence vraiment à faire long. J'ai pas envie de vous refaire une vidéo aussi longue que la précédente. J'ai vraiment abusé. Là. Vous avez promis de faire attention et pourtant j'ai pas fait attention. Donc voilà, c'est ça arrive. On va dire c'est pour vous remercier de me suivre depuis si longtemps. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous continuerez à me suivre, que mes vidéos vous plaisent toujours autant. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.